Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel unboxing et cette fois-ci, il s'agit de la box du mois d'avril, je crois. Oui, si je ne dis pas de bêtises, de poussière d'étoiles. J'avais tellement envie de découvrir une de ces boxes que je me suis jetée dessus à 17h pile pour pouvoir réussir à en avoir une puisque ces boxes partent à une vitesse affolante. Donc, j'en voulais absolument une au vu à chaque fois de tous les retours que je pouvais avoir. Et puis, à chaque fois, je voyais les modèles et je me disais, moi aussi, j'en veux une. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a poussière d'étoiles, grattez-moi. Faites-moi une photo et contactez-moi par mail ou via Etsy pour obtenir votre cadeau. C'est vrai? Bah, j'ai gagné, moi, alors. Et je crois que j'ai gagné un truc. Oh, bah je vais la contacter. Pas de problème. Le thème, du coup, c'est abeilles, je crois. C'est les bzibzis. Donc, cette vidéo, de toute façon, je la posterai une fois que ben, tout le monde aura reçu. Oh, waouh! Sa box. Donc, en théorie, quand je pourrai la poster, je crois que c'est le 8. Vous l'aurez déjà reçu si jamais vous avez eu la chance de la voir. Oh, mais attendez, vous avez vu ça? Oh, c'est tellement mignon. La petite bzibzit. Waouh! Ah oui, mais il y a tout ça. Ah oui, d'accord, ok. Oh, mais moi, je la ramasse, je ne sais jamais. Donc, on a du fil teinté main. D'accord. Ok, ok. Donc, la box broderie de mai. Donc, une fiche de broderie bzibzibzit. Un fil teinté main. Un coupon de toile à broder teinté main. Un aimant à aiguille. Trop bien. Un carton d'anti création unique. Ok, il permet de mettre le reste de vos fils découpés de votre échevette durant... Oh, bah, c'est trop bien. Ça, c'est super pratique. Génial. Génial, génial. Ok. Donc là, ça doit être le modèle, le fameux bzibzibzit. Alors, on va prendre tout ça. Hop, 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 hop. Reviens là, donc. Donc, ici, on a toujours un petit sticker et un petit sachet de thé. Ça, le sachet de thé, ça va toujours à mon conjoint. Oh, mais c'est génial, ça, en vrai. C'est joli comme tout. Ok. Non, mais vraiment pratique. Vraiment très chouette. J'aime bien, moi, avoir du merch comme ça. Et donc, ça, c'est le fil teinté main. Mais il est absolument magnifique. Waouh, c'est fou ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'on enlève le petit élastique là, mais j'ai presque peur de l'enlever. Mais attendez, mais on en a deux ou on... Non, non, c'est qu'un, hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Je crois que c'est qu'un. Il est fou avec tous ces reflets là, comme ça. Du jaune, du plus clair, en allant vers le gris, c'est incroyable. Même moi, en colo, je ne fais jamais ce genre de joli dégradé. Oh, c'est fou, punaise. Magnifique. Donc ça, c'est la toile. J'adore. Elle est hyper sympa. Donc là, j'avais demandé une Aïda 14, je crois. Donc, ça, c'est bien de l'Aïda. Bon, elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Et encore, elle paraît très, très claire en vrai. Là, là. Oh, ah oui, parce que, ok, la caméra est en train de bugger. Mon téléphone bug entre le rose et le jaune, là. Voilà, vous voyez un peu mieux. Un petit peu moucheté et tout. Elle est hyper sympa. Pouah, elle est hyper belle. Oh, là, on a l'aimant. Oh là 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 là. Hâte de découvrir le petit aimant. Oh, bibou. Pardon. Je suis un peu folle, mais il est tellement beau. Regardez. Oh, incroyable, quoi. Incroyable. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc là, on a le modèle. C'est ça. On a le modèle avec... Waouh, quand même, toutes les DMC qu'il faut. Elle est très jolie. Hein. Très jolie. Et donc, prévoir une marge de 10 cm sur chaque bord de votre toile. Moi, je ne surfile pas, perso. Mais elle est trop belle. 135 par 135 points, hein, quand même. Mine de rien. Très 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 joli. Il va y avoir du taf hein, quand même hein. Et donc là après on a la grille. Voilà. J'avais pas vu le petit message juste avant à pas montrer. Bah oui oui.
façon, on fait rarement grand chose. Ok, ok. Ben, c'est super ça. Super, super. Par contre, je pense qu'on peut la voir. Je vais voir si je peux pas lui envoyer un petit mail pour la voir en version couleur. Parce que du coup, non, je ne l'ai pas en version couleur. Ce sera plus pratique parce que mes petits yeux, moi, ils ne voient rien. J'ai beau avoir 27 ans bientôt. Je suis miro comme tout. Hein. Oui, 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 oui. Bon, ça va être une petite toile qui va se broder assez vite, hein, je pense. J'essaierai de la faire courant, courant mai. Je ne vous promets rien, mais en tout cas, j'essaierai de la faire. Hein. Oh, bah, une très, très bonne surprise. Vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup. Hein, on a ce joli fil. On a ce petit aimant. Ici, donc, on a le modèle à broder avec bah, la crie que je ne peux pas vous montrer. Donc, ça, c'est le petit objet pour ne plus perdre, du coup, nos fils, les restes de fils et tout. Ici, on a donc la toile qui est incroyablement belle. Et il me semble que j'ai fait le petit tour. Et puis voilà, oui. Il me semble qu'il ne reste rien dedans. Voilà, bah, c'est parfait. Ah oui, il faut que je la contacte du coup. Pour parce que j'ai gagné. donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis super hypée. Je pense véritablement que je vais aller chercher les fils là tout à l'heure. Puisque j'ai mon fils cet après-midi. Donc, je pense que je vais aller chercher les fils. Tranquillou bilou. Et puis voilà, tout simplement. Je vais aller me faire ce petit plaisir. Je sais qu'en ce moment, sur la maison d'une canva, ils sont en promo. Mais comme j'ai très envie de le débuter ce soir. Enfin, ouais, je pense ce soir. Du coup, ben voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez réussi également à avoir la box ce mois-ci. Si ce n'est pas le cas, bah écoutez, j'espère que vous retenterez tout de même votre chance pour le mois prochain. Moi, c'est ma première et je suis ultra, ultra ravie. Donc merci infiniment Sabine de nous proposer ce genre de contenu qui est extrêmement intéressant et très qualitatif. Donc merci beaucoup pour tout ce travail, cet envoi extrêmement rapide également. Je ne suis pas du tout déçue. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, soit en vidéo YouTube, soit en live sur Twitch. Bye bye!